Salut, je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. Merci de participer au programme Pioneer. Depuis près de 30 ans, Kindred s'efforce d'aider l'humanité à élargir ses frontières. Et je suis fier d'annoncer que de nombreux experts de l'industrie nous considèrent aujourd'hui comme la 4e meilleure entreprise d'exploration interstellaire. Depuis nos débuts comme fabricants de batteries et de panneaux solaires conçus pour les climats extrêmes, en passant par notre gamme de chaussures de sport et nos chics vêtements de survie, on travaille d'arrache-pied pour faire avancer l'humanité. Des profondeurs des océans et maintenant, parmi les étoiles! La prochaine étape, c'est de passer de la simple exploration à la colonisation planétaire, puis pour ça, on a besoin de toi. Nos scientifiques ont identifié plusieurs planètes qui pourraient accueillir la vie humaine. Voici la tienne. ARY-26. Ta mission consiste à explorer la surface de la planète, à répertorier ses formes de vie, ses menaces et ses ressources, et à envoyer les données collectées à l'équipe de scientifiques de Kindred qui en feront l'analyse. Plus tu feras de découvertes, et plus on pourra guider tes recherches et préciser les objectifs pour toi et ton ami, si t'en as. J'aimerais aussi te dire que tout a été mis en place pour t'offrir le séjour le plus sûr et le plus agréable possible. Mais les récentes coupes budgétaires et la nature inconnue des obstacles à surmonter nous obligent à t'envoyer en mission sans trop d'équipement. Mais pas de panique. Ton module d'habitation est équipé d'une imprimante 3D, capable de transformer n'importe quel vieux débris spatial en objet bien utile. Ah, j'allais oublier, toute ton essence a été utilisée pour le chemin entre la Terre et ta planète. Tu devras donc découvrir une ressource locale et la raffiner en carburant approprié. À moins, bien sûr, que tu décides de quitter la Terre pour toujours. Bon, je veux surtout pas gaspiller ton précieux temps. Je suis sûr que t'as très hâte de partir explorer. Je te souhaite bonne chance. On va t'envoyer des nouvelles sur ta progression à mesure que tu réaliseras tes missions de reconnaissance. À bientôt, et meurs pas, là. Les longs voyages spatiaux ne sont pas faits pour tout le monde. Les effets secondaires bien qu'inhabituels peuvent être ressentis, entre autres. Mal de tête, nausées, diarrhée, vomissements, étourdissement, dysenterie, douleur à l'abdomen, varices, sang dans les selles, sentiment de vide ou de désespoir, arthrose, hémorroïdes, diabète, amnésie, confusion sur son genre, prolapsus dentaire spontané, léger inconfort ou mort. Si vous subissez un ou plusieurs de ces symptômes, veuillez contacter votre représentant Kindred rapidement et tous les efforts possibles pour vous aider ou vous porter secours seront mis en œuvre. Allô? Ça marche-tu que non? Ah, pardon. Hey, chose, oui, toi, allô! Désolé pour le message à sens unique, là, mais bon, la communication intersidérale, qu'est-ce que tu veux, ça a ses limites. On m'a informé que t'avais atterri sur ARY-26. J'ai examiné une partie des données préliminaires et on a quelques questions. Bon, comme tu sais, toutes les planètes sondées n'ont pas, jusqu'à maintenant, montré de signes de vie intelligente. Sauf que ta planète est bizarre. non, bizarre, pas bizarre, différente, originale. J'ai nous avons besoin de savoir ce qui se cache dans ce tour-là, OK? Comment nos scanners l'ont manqué? Qui l'a construite? Je compte sur toi pour inspecter la place en profondeur. On cherche une nouvelle maison pour l'humanité, après tout. Je veux que tu transmettes ces données directement à moi, OK? J'ai déjà mis à jour ton protocole de transfert. Ça va être notre petit secret pour l'instant. Voyons, y a personne qui travaille ici. OK. Hey, salut. Content de te voir. Ouais. J'espère que tu vas bien. Merci encore de ton engagement. Je vais être bref. Les données que tu as recueillies jusqu'ici ont déclenché une alerte automatique dans notre système. On sait pas encore pourquoi exactement. Mais dans la tour que tu as découverte se trouve un potentiel exceptionnel. Tu vas y entrer.
trouver la source d'énergie et la rapporter. Une généreuse récompense t'attend en échange. Bonne chance. Yeah! Oh yeah! Félicitations! Dans tout l'univers, des dizaines, peut-être même des centaines d'explorateurs retournent chaque pierre, répertorient et étudient la faune locale et transfèrent d'innombrables données au service de recherche de Kindred. Tu vois ce que je veux dire? Notre taux d'échec ou de décès est de 15 % dans toutes les activités de notre entreprise. Alors, de savoir que t'es toujours vivant et en train d'écouter ce message-là, ça réchauffe le cœur de toute l'équipe Kindred. Bingo! On a gagnant! On aimerait aussi profiter de l'occasion pour te parler de Puff Puff Pasta 79. Ce jeune homme-là a réussi à rester en vie, mais il a aussi attrapé... ça! Malade! Ça fait mal juste à le regarder, mais on pourrait peut-être avoir ici le remède à certains fléaux qui continuent de frapper notre espèce, comme le virus herpès simplex ou le syndrome du membre étranger. Je te souhaite bonne chance, Puff Puff Pasta 79. Bon, assez de placotage. Nos recherches pour trouver les meilleures planètes susceptibles d'accueillir la vie humaine se poursuivent. Et grâce à qui? À toi! Continue ton exploration! Bonne fête interstellaire à Kindred! Aujourd'hui, on veut rappeler à tous nos explorateurs privilégiés qui sillonnent le cosmos que Kindred Aerospace fête ses 25 ans! Nos activités se sont diversifiées, mais on n'a jamais perdu de vue nos valeurs. On se consacre toujours à la préservation et à la promotion de l'humanité dans tout l'univers. La Terre a beau être magnifique, il faut continuer à élargir nos frontières si on veut avoir une chance de survivre aux innombrables cataclysmes qui nous guettent. Si on a la chance de découvrir de nouvelles planètes, on pourra continuer à évoluer, libérer des situations irréversibles ou des pénuries. La Terre a ses limites, mais l'univers, lui, il est infini. C'est pourquoi on célèbre pas juste Kindred, mais aussi toi! C'est le moment de slasher nous! Ouais! Je sais, mais c'était supposé totalement inhabité. Ben oui, t'as-tu fait la dimension de l'affaire? Ça a pas d'allure. Recouvert de quoi? Pas sérieux? Voyons donc. Non, c'est pas possible. Non. Check-moi ça encore une fois, OK? Merde. Il faut que j'y aille, OK? Schnout! La patate a failli m'exploser, là! Mais bon, je suis content que tu sois là. Je vais pouvoir te mettre au courant des dernières découvertes sur ta planète. On a trouvé quelque chose d'important au pied de la tour. Tu peux pas le manquer, c'est gros, très gros, énorme même. Et c'est vivant. Ça ressemble genre à une sorte de boulette de viande de la mort de la taille d'un immeuble. Personne sait c'est quoi, ou ben donc peut-être ça contient des horreurs, ouais. Mais bon, tout le monde aime les boulettes de viande, non? Je suis sûr que t'as ce qu'il faut pour clencher cette mission-là. En fin de compte, il n'y a rien qui t'a résisté jusque-là. Et c'est pas d'autres gugus dégueux ou bizarres qui vont t'arrêter, non? Tout ce que je te demande, c'est... Tu peux-tu trouver un moyen de réalimenter la tour? Rentre dedans! Fais-toi pas bouffer par cette boulette géante-là. Essaye, en tout cas. Enfin, quelqu'un l'a fait! T'as réussi! Nos relevés d'analyse automatique indiquent que t'as réussi à ravitailler ta fusée en carburant et que tu pourras, à tout moment, décoller
pour rejoindre la Terre. Imagine la joie sur le visage de tes enfants puis de ta famille, ou de tes parents, ou de ton chihuahua, ou de je sais pas qui t'attend chez vous, là. Surtout si t'as accompli toutes les tâches assignées. Oublie pas que ta prime et ta pension dépendent de la réalisation de tous les objectifs qui te lient contractuellement. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars? Retourne de bord! Faut que tu y retournes! Tu dois me trouver ce grumeau! Imagine comment je pourrais... changer le bord! On serait les premiers! Plus jamais quatrième! Finis les blagues! Finis les petits projets! On pourrait devenir quelqu'un! Je pourrais devenir quelqu'un! Je vais envoyer un autre vaisseau. Et j'espère que tu vas le regarder filer vers la gloire. La gloire à laquelle t'as stupidement tourné le dos. Et je vais t'attendre à l'atterrissage. Personne d'autre va être là, mais moi je vais t'attendre. Et je vais te faire payer ta trahison. Félicitations! T'as terminé l'exploration de ta planète et t'as survécu! Kindred ne pourra jamais assez te remercier. Ta planète a été ajoutée à notre base de données et rejoindra bientôt la liste officielle des candidates pour une future colonie humaine. On a déjà découvert plusieurs sites prometteurs, mais on n'en a jamais assez. Pas de fausse modestie ici! Ce que t'as accompli tient du miracle! T'as pas seulement découvert une terre d'accueil pour la vie, t'as découvert la vie elle-même! Une technologie qui va bien au-delà de toutes mes attentes! La graine que t'as découverte renferme les données génétiques d'un écosystème planétaire complet! Et des systèmes et des mécanismes pour créer de A à Z des biosphères fonctionnelles! Kindred doit à tout prix changer d'orientation. Pourquoi se casser la tête à chercher un nouveau foyer pour l'humanité parmi des planètes existantes quand on peut juste créer la nôtre? Ce sera ta prochaine mission, explorateur. Créer un univers!